Hashtag swaggy en shower cap. Hey, coucou, j'étais caché en bas. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ou pas, vous êtes dans ma chambre d'hôtel à San Francisco. Yeah. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lors d'un voyage, il vous arrive parfois de devoir rester dans votre chambre d'hôtel. Soit vous êtes fatigué, soit la météo est pourrie, comme moi aujourd'hui. Regardez. Magnifique. Quel beau temps. J'aime la vie. J'aime la joie. Vive le beau temps. Ce qui ne m'a pas empêché de sortir me balader. Je suis trempé. Trempé. Et donc dans ces moments-là où vous êtes coincé dans votre chambre, il faut bien trouver des occupations pour ne pas vous ennuyer. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous les 10 choses que je fais parfois quand je suis coincé dans une chambre d'hôtel. Je fais vraiment ces trucs-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez déjà fait un truc de cette vidéo ou si tout simplement la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un joli like, ça fait toujours super plaisir. C'est peut-être un petit geste pour vous, mais c'est un grand geste pour moi. Voici. Dans la salle de bain. Je suis en route actuellement pour voler tous les trucs de la salle de bain que je peux voler parce que c'est gratuit et que je peux les emmener chez moi. On y va, je vous emmène avec moi en caméra subjective dans mes trous de nez. Je marche vers la salle de bain. Qu'y a-t-il à voler? Ça, ça je prends. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, je prends. Oh, il y en a trop. Bon, je prends ce que j'ai pris, c'est déjà ça. Ça, je peux pas le prendre, hein. Non, c'est trop voyant. Ça, oh non, ça s'est accroché au mur, je peux pas le prendre. Coucou toi. C'est un piège. Ils ont mis ça pour qu'on le prenne et ensuite ils vont nous faire. $100 le petit poussin en plastique. Alors non merci, je ne te prendrai pas. Aussi mignon que tu sois avec ton petit bonnet de Père Noël. Par contre vous là, avec moi, avec moi. Oh, et c'est quoi ça? Shower cap. Eh bien je prends, allez hop. Ouh, les petits savons, eh bien je prends aussi. Des cotons, oh oui, je prends des cotons. Bon, papier toilette, je leur laisse, il est nul. Il est tout transparent, regardez. Et voici mon butin du jour. Ils vont tout remettre, demain je reprends la même chose. Je vais emmener tout ça chez moi. Bon, d'accord, je me sers pas de tout ça. Quoique, la shower cap, c'est plutôt pas mal. Hashtag swaggy en shower cap. Sauter sur le lit. Oui. Arrêtez. S'amuser avec le téléphone. Oui, allô, chambre 28. Hello, chambre 212. Oui, vous comprenez pas, c'est normal, je parle en français. Oui, bon, c'est pas grave. Et si j'appelais la réception maintenant? Ah, très bien, vous parlez français. J'ai très très faim. Alors j'aimerais avoir 10 hamburgers, des double cheese, avec 20 portions de frites, 28 hot dogs, 3 coca, orangina, iced tea, sprite. Tout ça, vous le mettez sur la chambre 12. Comment ça, vous avez repéré mon numéro de chambre? Hein? Ah, c'est affiché automatiquement avec le téléphone. Ah, oh, j'ai plus faim. Je passe sous un tunnel. Oui, bah un tunnel dans un hôtel. Oui, votre chambre. Hop. Utilisez le coffre-fort. Oh, un coffre-fort. Oh, super. Ah bah, je peux mettre mes trucs de valeur à l'intérieur, ça sera bien protégé. Bon allez, je vais faire le code. Je vais pas vous montrer mon code. Je compose mon code à l'abri des regards indiscrets. Ça marche. Bon, bah maintenant je vais ranger mon portable, tiens. Et voilà, j'ai composé mon code. Ouh, je place mon portable. C'est closed. Alors, je vais récupérer mon portable. Oui, c'est un super code. Oh, mon portable. Le coffre, il est cassé. Manger sur le lit. Ah, j'adore la télé américaine. Tout ça en mangeant des chips en plus. Je suis un vrai américain. Oh, je suis un peu fatigué, moi. Je vais faire une petite sieste. Oh, non. Oh, les miettes. Oh. La collection automne-hiver spéciale miettes. Faire un karaoké. Cause I'll bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through on his worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. Sorry. Voler les cintres. Deuxième étape dans la mission, je vole tout dans la chambre. Allons voler les cintres. Je vous emmène encore avec moi. Les cintres se trouvent dans cette pièce. La penderie. On y va, on y va. Alors,
ça fait un peu chasseur de fantômes. Oh, je sens une présence. Oui, la présence de cintres. Hop là, je vais prendre tous ces cintres. Oh, je vais être riche de cintres. Quoi? Mais je peux pas les accrocher chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... Ah, c'est des cintres anti-vol. Non. Oh, je m'en fiche, je les prends quand même. Oh, et puis c'est pas facile. Viens là, mais viens là. Oh, tous. Ça peut toujours servir de décoration et de repose-main. Ça fait mal. Ah, c'est coincé. Prendre des douches super longues. La 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 la, je prends une douche la plus longue de ma vie avec de l'eau bien chaude. Pas parce que c'est pas moi qui paye l'eau. Je peux prendre une douche pendant une demi-heure. La 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 la. Je suis toujours sous ma douche et c'est trop trop bien. Ça ne dit pas aimer la planète alors. Ah oui, oui, la planète, pardon. Bon, bah je me laverai plus pendant 30 jours. Espionner les voisins. J'adore espionner les voisins. Venez avec moi. Alors, est-ce qu'on peut voir dans l'autre chambre là-bas? Non, y'a rien ici. Y'a rien ici. Y'a rien ici. Y'a rien ici. Ah non, y'a rien. Oh, y'a personne qui a ouvert ses rideaux? Ah, là-bas. Non. Je vais essayer l'autre immeuble. Ah, je crois que j'ai trouvé quelqu'un là-bas. Non. Et vous, que faites-vous quand vous êtes coincé dans une chambre d'hôtel? Dites-moi ça dans les commentaires! Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, ou si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un joli like, ça fait toujours super plaisir! Et comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, enfin bon, vous connaissez. Merci! On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures! Bye!